Les faits se sont déroulés dans cette crèche du 19e arrondissement. Mardi dernier, en pleine journée, un groupe d'individus dont on ignore pour l'instant le nombre pénètre par l'entrée principale de cet établissement et dérobe près d'une vingtaine de poussettes, dont celle de Julia. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont réussi à évacuer 17 poussettes, qu'ils connaissaient les deux digicodes parce qu'il n'y a pas de trace d'effraction qui a été constatée par quiconque, que ce soit la police scientifique ou nous. Des vols qui se répètent depuis des mois. L'année dernière, on a déjà connu un vol massif de poussettes. Il y avait une dizaine de poussettes qui avaient été volées d'un coup. On se rend compte qu'on accumule 1, 2, 3, 4, 10, 20 témoignages de gens qui ont connu ces derniers mois des vols de poussettes sur l'Est parisien. Les modèles dérobés sont presque tous de la même marque. Des poussettes faciles à revendre sur les sites d'occasion. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, ce sont surtout des poussettes qui sont des poussettes de milieu, voire haut de gamme. Donc, des gammes de prix qui vont entre 300, voire jusqu'à 800, 900 euros. Une enquête a été ouverte. L'établissement devrait rembourser en intégralité les parents.